Peut-on essuyer un revers avec du sopalin? Comment peut-on être débordé alors que nous ne sommes même pas des récipients? Comment peut-on dire de quelqu'un qu'il n'a pas froid aux yeux s'il habite au pôle Nord? Pourquoi n'a-t-on pas une deuxième chance quand on perd à la roulette russe? Peut-on laisser planer un doute par grand vent? Si je plante ma tente, est-ce que je suis un assassin ou un campeur? Est-ce qu'un joueur de hockey s'arrête quand on lui fait peur? Quand on a une idée brillante, est-ce qu'on peut l'éteindre? Quand on lave un sous-marin, est-ce qu'il faut l'essuyer après? Moi, ça me fait flipper toutes ces questions.